Salut à toi, Seigneur de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commander TV, et ici ça parle Wargame. Hein. Je suis en compagnie de Tildus qui nous vient avec son armée du culte Mechanicus. Euh, pourquoi donc, mon Tildus Moi je veux casser du répulsor aujourd'hui. Gros voilà. rapport de bataille, c'est parti les amis. Et donc, on attaque ce rapport de bataille par la présentation de l'armée Adeptus Mechanicus de Tildus. Et bien Tildus, la parole est à toi. Et bien c'est parti. Alors je suis venu avec, euh, assez classique, euh, deux beaux bataillons. Un bataillon martien et puis un bataillon Stygis. Un stygis pour aller de l'avant contre le map. Et puis euh, le bataillon Mars et puis pour avoiner, hein, parce qu'on reste avant tout une belle line. Donc j'ai amené en bataillon euh, martien ben, les quatre Castellans, avec évidemment Bellili juste à côté. Dans mes choix de troupes, j'ai mis 6 destroyers full plasma, classique là aussi pour avonner le plus possible avec le full reroll de, de Bellily. Euh, deux petites troupes de ranger tout nu, rien de spécial. Et un manipulus, évidemment, pour, qui est à gauche, pour euh, avoir le plus 6 emporté de toutes les armes de ma belle gunline martienne. Ensuite, tout le reste, c'est un bataillon Stigis. Alors, j'ai mis euh, deux ingensers, un ingenser classique et euh, une conversion du Daedalus, celui qui permet d'avoir plus un pour toucher à 24 pouces sur une unité ennemie. J'ai mis également ben, deux troupes de Breacher, une de 5, une de 4, avec des canons en distorsion, enfin je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui fait du déci dommage sur les véhicules. J'ai mis mes 4 dragons, mes figurines préférées, parce que j'adore les envoyer et puis regarder ce qu'ils font et le bordel qu'ils mettent chez l'adversaire. Et pour finir, deux Oneger full matrice. Parce que la matrice, c'est cool sur les volants et il y a plein de volants en face. Voilà. Ok, alors en trait de seigneur de guerre, donc ton seigneur de guerre, c'est Belisarius. Et il a un trait auto qui lui donne plus 3 à son aura de reroll. Exactement. Euh, et en relique, qui prend quoi Eh ben c'est mon petit Ingencer, tout qu'une qui portera le caducé d'Arkenland pour euh, pouvoir. Euh, Relancer le dé pour réparer, puis un petit, un petit PV par tour en plus. voilà tout Ok. Ça. Deux bataillons, tu pars avec 13 points de com, tu utilises aussi un détachement euh, Vigilus. Oui, alors Vigilus sur euh, le bataillon martien, je voudrais mettre mes destroyers en sauvegarde invulnérable 5 ⁇ et puis j'ai un petit stratagème pour avoir plus un pour toucher, pour éviter la surchauffe que ça me pète à la tranche. Donc voilà, formation Vigilus, un, un PC, puis un, un autre PC tout de suite pour les mettre en sauvegarde invulnérable 5 ⁇ Ok, donc ça fait que tu passes à 11 points de commandement. Exactement. Et euh, on passe à la présentation de l'armée Space Marines de la chaîne. Et c'est parti pour la présentation de l'armée Space Marine Iron Hands de Commander TV. Cette, euh, bah, cette armée, c'est la première fois que vous la voyez euh, sur la chaîne et c'est aussi la première fois que je vais la jouer. C'est la première fois tout simplement que je joue le codex Space Marines. Donc pour ce faire, j'ai décidé de faire une liste euh, relativement basique et brute de décoffrage avec un seul et unique bataillon qui est un détachement euh, Iron Hands. et Alors, on va avoir... Euh, trois slots de QG, euh, le bon féroce, euh, qui est le personnage spé Iron Hands, un Librarian qui va être monseigneur de guerre, et euh, qui va avoir deux sorts, donc le sort qui permet de mettre un véhicule à plus 1 pour toucher, et euh, un autre sort qui permet de regagner des 3 trois, des trois wounds sur un véhicule. Et ensuite on va avoir un bon vieux smash cap des familles, bouclier, marteau, réacteur dorsal. On va avoir trois troupes, deux paquets de 10 intercesseurs, donc le premier avec fusil bolter automatique, le deuxième avec fusil bolter lambda, et enfin un pack de, 10 scouts, de 5 scouts. Pardon. Et à ça, eh ben le, le gros de la phalange Iron Hands, c'est-à-dire 3 répulseurs exécutionneurs, donc là ils sont full stuff, hein. c'est vraiment euh, le, max, euh, le max de ce qu'on peut leur mettre, et, euh, et c'est la même chose pour les 3 modèles. Et ensuite, on va avoir deux Dreadnought. Donc le premier Dreadnought, c'est le Dreadnought euh, Redemptor, euh, qui va avoir euh, ben, ces deux Gatling, hein, la, la, la Gatling lourde et la petite Gatling. Et puis le reste des équipements classiques. Et enfin, le Dreadnought euh, Warsuit Invictus. Et lui, va être équipé avec le, le bon lance-flamme, le canon Insundium. Et on a fait le tour de cette armée. On, a donc, euh, on part avec 8 points de commandement j'utilise un point de commandement pour faire passer euh, cette war suit en personnage et euh, et puis euh, et puis c'est bien tout donc en termes de relique et eh ben c'est le c'est le psyker qui va avoir l'iron stone et donc il va permettre de cibler euh, au début de chaque round de bataille un véhicule et ce véhicule réduira les damages de 1 euh, voilà donc c'est une armée qui a clairement été nerfée euh, de façon très imposante puisque euh, le féroce ne file plus sa bulle d'invulnérable à 5 pouces, l'Ironstone sur le Librarian c'est ch au choix sur un véhicule et tous les stratagèmes euh, les, plus, euh, les plus efficaces de ce codex viennent de passer à deux points de commandement donc bien évidemment on applique les facs pour cette bataille et on se retrouve de suite pour la présentation du scénario. Allez présentation du scénario, aujourd'hui on va jouer le scénario numéro 4 des conventions ETC, le fameux scénario avec les 4 piliers. Alors en effet, vous avez quatre objectifs qui sont les 1, 2, 3, 4, qui sont positionnés automatiquement, qui sont euh, en... au centre des quarts de table. Alors ces objectifs là ils sont très particuliers puisque c'est eux qui vont générer nos points de victoire à l'éternel. Il faut savoir qu'à la fin de chaque round de bataille, le joueur qui contrôle le plus de piliers marque 1 point de victoire, le joueur qui contrôle tous les piliers marque 3 points de victoire, et le joueur qui tue plus d'unités que son adversaire marque 1 point de victoire. Donc ça, ça se scorera à la fin de chaque tour. Et ensuite à la fin de la bataille, donc les objectifs 2 et 4 qui sont dans les zones de déploiement ne valent rien, euh, ils n'ont plus de valeur. Par contre, les objectifs, les piliers 1 et 3 qui seront à l'extérieur des zones de déploiement, eux, vaudront 2 points. Et les objectifs 5 et 6 qui ont été placés par les joueurs, eux vaudront 3 points. Donc ça c'est pour euh, l'éternal. Ensuite au Maelstrom on va tirer 4 cartes par tour euh, pour euh, scorer de façon, euh, de façon pérenne sur toute la partie. Et enfin, on va avoir le premier sang, le briseur de ligne et le seigneur de guerre. À ça, on va rajouter des kill points. De mon côté, j'ai choisi les troupes pour marquer des kill points chez mon adversaire, tandis que Tildus, lui, a choisi les soutiens. Hein, il va, il compte tambouriner du répulsor. C'est bien clair. Donc euh, voilà. Euh, voilà pour le point sur le scénario. Et on se retrouve de suite pour le jet d'initiative. Donc c'est parti pour l'initiative, Tildus des rouges, moi euh, toujours mes petits dés sauvageons, et euh, le choix du côté, alors côté sauvageons c'est un 6, et côté Tildus c'est un 4, ah, c'est donc zut, moi.. Perdu. Ah bah zut, c'est lui qui va se déployer en premier, donc moi bah, je vais choisir euh, le côté là-bas, et c'est Tildus qui va pouvoir se déployer en premier, ici, on se retrouve de suite à la fin de son déploiement. Ok, fin du déploiement euh, pour Tildus. Alors, on va commencer par présenter ses cartes défaussées. Euh, vas-y, Tildus, explique-nous pourquoi tu défausses ces trois cartes. Eh ben, guerre psychologique, parce qu'en enfin, j'ai du Space Marine, donc euh, c'est perdu d'avance. Domination, parce que domination. Et puis, chasseur de sorcier, parce qu'il l'a bien planqué derrière trois répulsors. Et euh, je vais d'abord passer toute la partie à péter ah. les trois répulsors. Hein. Alors, il faut savoir que quand tu choisis celle-là, t'as pas vu mon déploiement. Mais tu peux anticiper que oh, oui, oui, je oui, vais le planquer comme un gros sale, ouais. effectivement. Donc, de toute façon, celui-là, c'est euh, okay. la peine. Hein. Et euh, vas-y, bah, explique-nous ton, ton déploiement. Et eh ben c'est parti. Donc une belle gunline prête à s'mater tout ce qui va tout ce qui va bouger, tout ce qui va sortir de son trou parce qu'il a tout caché derrière des bâtiments. Et euh, surtout j'ai mis donc euh, trois grosses unités de Stigis qui sont prêtes à se déployer à 9 pouces dès le début de la partie. Donc les Sauf, euh, les, les Breachers, les, Breacher, les Dragoons et la deuxième euh, unité de Breachers. Donc euh, yes. j'ai bien envie d'aller contrôler la map donc me projeter en avant. Ouais. Sauf s'il me prend l'initiative et là je vais peut-être réfléchir. Et euh, derrière les Onager au chaud qui peuvent se déplacer tirer sans malus en fonction de ce qu'ils pourront voir euh, à partir du peut-être T2, parce qu'il bah, a bien tout caché à son T1. Voilà dans l'idée. Dans l'idée, tes petites unités orbites euh, qui, euh, qui vont être là aussi pour euh, pour soutenir la manœuvre et puis tenir l'objectif. Là, ici, hein, ça s'est globalement étendu pour tenir les deux objectifs, euh, puisque tu avais laissé une petite, un petit bout d'objectif qui permet de, de le contrôler ici derrière le décor. Et, euh, et puis, on est pas mal et on passe de suite sur le déploiement Space Marines. Ce genre de gros pavé Iron Hands. Alors, on va commencer par ma défausse. Euh, moi, j'ai décidé de virer Domination bah, pour les mêmes raisons que mon camarade. Assassinat parce que globalement, euh, ces personnages, euh, j'ai rien pour les sniper et, euh, et je pense que j'aurai d'autres choses à gérer. Et derrière les ennemis parce que je compte pas m'y rendre puisque les lignes ennemies sont plutôt là-bas et euh, c'est pas évident de suite. Alors, en termes de déploiement. C'est assez compliqué en vérité parce qu'il euh, y a, y a deux, deux grandes composantes sur cette partie, à mon sens. C'est que la table est quand même relativement chargée, donc il y a du bloquant. Euh, néanmoins, on a une liste à, en face, on a une liste adverse qui est très bien taillée pour, euh, bah pour me gérer, pour, pour péter du châssis. Donc, euh, donc voilà, euh, j'ai décidé donc de la jouer en, en rétention sur le début de partie. Euh, j'ai quand même laissé une petite unité ici d'intercessor euh, pour avoir un petit peu de. Euh, comment dire Un petit, un, un, un petit outil pour pour pouvoir faire des choses, quand même. Les scouts, ici, se sont planqués là. Et, et on est pas mal, sachant qu'il a choisi les capés, il a choisi les trois répulsors. Donc, mes troupes pourront globalement se sacrifier pour faire ce qu'elles ont à faire, notamment faire marquer des points. Et, et voilà. Ici, il y a l'autre pack, pack de 10 avec, en, en première ligne, le... Ton et son réacteur dorsal et après euh, monseigneur de guerre ici et le féroce qui sont là euh, voilà on a fait le tour sur ce déploiement et on va de suite passer au premier tour donc tildus qui a perdu le choix du côté et qui a gagné le droit de se déployer en premier, décide de commencer cette partie. Et moi, je décide de ne pas lui prendre l'initiative, je vais le laisser jouer en premier. De ce fait, il va utiliser ses stratagèmes pour se redeployer. Et vous voyez dans quelle configuration il est avant l'utilisation des stratagèmes, on le retrouve de suite après. Alors, Tildus, il a claqué trois points de com pour, bah, pour faire un petit bump de trois unités. Donc, les breachers, c'est les breachers Les, les, bridgeurs. les bridgeurs qui étaient euh, en bord de zone, bah, ils se sont fait un petit, un petit plaisir. Hein. On, clairement, l'objectif assumé est de venir contrôler l'objectif 3, donc un des piliers. Et ici, bah, ça se projette sur le flanc, euh, sur le flanc de ce côté-là. Euh, faut savoir que euh, ça lui a coûté trois points de com, mais que euh, ça lui permet d'avoir une belle petite projection, sachant qu'après, il va commencer. Il le sait. Et donc, il va avoir sa phase de mouvement. Et ça, c'est plutôt cool. Et, euh, et ben on se retrouve pour le début de la partie. Et c'est le début de cette partie. Donc premier tirage de carte pour Tildus. Euh, il faut savoir qu'il tire, défendre l'objectif 3. Objectif 3 qui est juste là-bas. Il tire sécuriser le 12 et défendre le 2. Objectif qui est là est clairement euh, très compliqué à remplir sur le premier tour. Et après, il va tirer une puissance de feu écrasante qui consiste à tuer des trucs au tir. Globalement, il est équipé pour. Vous le voyez dans cette configuration-là, au début de sa phase de mouvement. On se retrouve à la fin de celle-ci. Allez, fin de phase de mouvement euh, bah, du culte Mechanicus. Euh, Tildus, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce que tu as fait, le projet Eh ben, je joue super agressif. J'avance tout pour avoir le plus de menaces possible à portée de tir au T2, parce qu'au T1, ça va pas être génial. Euh, J'essaye aussi, hein, c'est un peu couillu d'aller chercher tout de suite les quatre piliers dès le T1. J'ai mis les breachers sur deux piliers, j'ai les dragons qui vont charger et qui vont essayer d'aller chercher le deuxième, j'ai Bellili et Deskitari là-bas bien centrés sur deux autres objectifs. On va essayer de score en éternale, et euh, serrer un peu les fesses à 101 quand il va tirer et euh, avouer le plus possible à monter deux en fonction de ce qui m'aura laissé vivant. Voilà. Eh ben écoute, euh, on arrive donc à cette fin de phase de mouvement. Euh, actuellement, tu as réussi à choper quand même un pilier, euh, deux piliers et euh, le troisième pilier qui est là-bas. Et, euh, et bah, du coup, on est pas mal. Et on va passer euh, la phase de magie. Il n'y en a pas. Et on passe immédiatement à ta première phase de tir. On est quand même sur deux grosses euh, armées de tir. Donc on va quand même sacraliser les, les, euh, bah, les, les, les premières salves. Donc c'est l'unité de Breacher qui est ici. Et qui va envoyer sa première salve sur euh, le Répulsor qui est là. Et donc, euh, bah, c'est parti. Ça touche sur du 4 plus. 4 plus. Bon. Ça fait 4. C'est pas, pas terrible, terrible. Force de 6, en du 7 ou 8. En du 8, ouais. c'est sur du, sûr du 5. 6. Yes. Et ça fait rien. Et ben ça fait rien. Donc les premières salves ne font rien. Mais c'est que le commencement, euh, ne l'oublions pas. Deuxième salve des Breachers. Donc ces 4-là vont avoiner sur les Marines. Ça touche sur du 4. Et, euh, et ça blesse sur du 3 pour le coup. Euh, save à 5. Euh, je rate mes 3 saves C'est du damage. Des 3. L'infanterie, vas-y. Comme j'ai des phénopène du 6, on y coup... va, Le premier, alors le premier, deux, deux. bas sur le premier primaris. Ok, il meurt pas. Il lui reste un PV. Le oh. deuxième, eh ben, encore deux. deux, il est mort. Et le dernier, un phénopène à 6. Ok, donc je perds un marines et un PV. Donc en vérité, et eh ben on arrive à la fin du premier tour de tir de Tildus. Pourquoi Parce que euh, eux ont tiré et euh, malheureusement n'ont rien fait eux là-bas ont tiré et ont enlevé un marines un PV ici et ensuite bah, le reste de l'armée a globalement advance pour anticiper sur les prochains tours parce que il bah, y a quand même une table qui est assez chargée et, euh, et eux du coup ont advance euh, pour euh, pour pouvoir prétendre à une ligne de vue éventuelle sur le T et de la portée pour le T2 eux ont advance pour les mêmes raisons pour les mêmes raisons et euh, globalement il a fait advance sous son armée donc là il est dans une dynamique de map contrôle plus que de létalité et euh, néanmoins on va attaquer la phase de charge qui va bien sûr commencer bah, par, euh, bah, par de la charge dans cette zone là hein, et, et on se retrouve de suite première charge de la partie euh, on attaque fort avec les euh, la, la poulaille les poulets qui chargent donc dans les euh, dans les marines s'ils ont fait tir de contre-charge, ils ont enlevé un pv alors charge et... facile mais moi je vais aller chercher l'objectif 2 quand même ouais. Il faut que je fasse une charge la plus grande possible euh, bah, c'est un 5 c'est un 5 à la charge. Fin de la phase de charge. Donc, bah, Tildus a avancé ses poulets de 5 pouces. Et là, maintenant, il va euh, consolider et taper. Donc, Tildus a consolidé. Comme il vous l'a expliqué, hein, son but, c'est d'aller, euh, c'est de réussir à laver tout le monde et de venir euh, piddin' là-dedans. Euh, donc, là, on va passer de suite à la phase de bagarre. Donc, début de, début de la phase de combat, euh, Tildus va activer son stratagème qui va lui permettre de passer le plus 1 pour toucher sur, euh, sur les poulets. Ce qui fait qu'ils vont toucher à 2 plus. Mais la particularité, c'est que du coup, sur du 4 ils vont générer, eh ben, quand une touche passe, ils en généreront 3. Euh, ça c'est plutôt stylé. Il a 12 attaques, du coup il touche sur du 2 et les 4, 5 et 6, ça, 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 ça décuple. Alors, ça, ça va picoter 1, je 2, pense. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 touches. 23 touches et ça blesse sur du 2 ⁇ puisque c'est de la force 8. C'est parti, perds moins 1 de dégâts, donc j'ai des sauvegardes à 4 ⁇ et après j'aurai des no pain Eh ben neuf morts, ils sont tous morts sachant que j'avais déjà perdu un PV, donc là mes Marines viennent de se faire proprement laver. Donc les intercesseurs se font proprement laver, euh, Tildus vient et conteste euh, l'objectif 2, qui est aussi euh, contesté par le répulsor qui est là. Euh, donc, je euh, vais être obligé de gérer ces petits, petits poulets un petit peu. Bah, l'objectif, c'était de tout mettre à portée de tes trois répulsors pour que tu tiens un peu partout et que tu sois obligé de. De split ouais, fire. Split, ouais. Un maximum. Split ouais. euh, en l'occurrence, tu mets quand même ton premier sens sur les, euh, les intercesseurs et tu commences à défendre l'objectif 3 qui est là-bas. Et euh, est-ce que tu, tu défausses une carte Oui, je défends défendre euh, l'objectif 2. De... Tu défausses le 2, donc Clairement qui est défendre le 2. Yes. Ok, ça marche. Et on passe de suite à mon tour 1. Allez, c'est parti pour mon tour 1, donc je tire défendre l'objectif 4, qui est, euh, bah, ce n'est que parti, euh, c'est qu'un prêté pour un rendu, puisque bah, c'est l'objectif de, de Tildus, et que lui, il a eu à défendre le mien, donc euh, voilà. Euh, au moins là-dessus, euh, c'est équitable. Chasse au gros, bah, dans son armée, euh, chasse au gros, j'ai que... Les zonagres à péter pour réaliser cet objectif-là. Et ensuite, je vais choper, défendre l'objectif 1 et sécuriser le 2. Donc sécuriser le 2 qui est ici. Défendre le 1 qui est ici. Vous voyez ma configuration au début de ma phase de mouvement. On se retrouve à la fin de celle-ci. Allez, fin de ma phase de mouvement. Donc globalement, euh, j'ai fait Advance mon Psyker qui se retrouve à 3 pas de ce châssis-là. Puisque bah, c'est lui qui a la Iron Stone, Donc il pourra désigner ce châssis-là au prochain tour pour, pour tank un peu plus. Euh, le Répulsor qui était au fond a avancé avec l'espace qu'a libéré... Euh, pardon, le Redemptor a avancé suite à l'espace qu'a laissé le Répulsor. Euh, mon personnage Invictus euh, a avancé. Euh, Smash Cap avec son gros marteau a avancé. Eux ont Advance. Il y a deux Gus qui sont posés sur, euh, sur l'objectif. Et, euh, et donc ça leur permettra d'être content. Et euh, globalement, on est comme ça et on va de suite passer à la phase de magie. Donc en sort, mon Psyker va balancer le plus un hit sur euh, mon Invictus, ça passe sur du 5, et eh bien ça passe. Euh, en deuxième sort, j'ai regagné des PV, mais pour l'instant tout le monde est full, donc ça ne sert à rien. Et je ne suis pas, pas porté pour les smites sur, euh, sur, les, sur les petits poulets. Donc euh, fin de la phase de magie, début de la phase de tir. Allez, côté Iron Hands, je vais commencer par ouvrir le bal avec mon personnage Invictus qui a plus un pour hit grâce à son, son sort. Alors lui, il va envoyer euh, son lance-flamme, euh, son canon Insundium dans les châssis qui sont là. Il va envoyer euh, là-bas, dans les petits là, il va envoyer ses 6 ses, ses tirs de canon Iron Hell. Et, euh, et il va aussi envoyer son tir de Bolter Lourd dans eux. Et ensuite, il va tirer euh, ses lance grenades euh, Fragstorm sur eux. Euh, c'est parti pour shooter. Ce que tout le monde, ce que le monde veut voir, euh, c'est les deux des six de lance flamme dans les poulets. Euh, oui. Ça fait 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 8, 9, force 5. Je te blesse sur du 5. Ça touche auto, ça blesse sur du 5. Oh, c'est un... pas, pas joli, ça fait une bless à APA-2. Donc APA que moins 1 puisqu'il a sa doctrine, euh, sa doctrine qui est activée. Donc je suis à, à 4. Euh, plus, à 4 plus, ouais. Ah non, t'as une sauvegarde à 4 C'est une sauvegarde à 4. Donc c'est une sauvegarde à 5 du coup. Sauvegarde à 5... Je. Un pev, Ok. Donc lui passe à 4. Euh, ensuite, euh, je balance les tirs de bolter lourd dans les 6 qui sont là-bas. Donc, un pour toucher. donc euh, moins 1 plus 1. Donc ça bouge pas. Euh, et je relance naturellement les as puisque c'est de l'arme lourde. Donc en gros, je touche sur du 3. Relance des as. Ça s'est cassé. Ok. Donc tout qui touche et ça blesse à 3. Euh, ben, ça fait euh, une blesse à PA moins 2. Et ben, ma sauvegarde à vue. Ouais, un vu à 6. Ah, ouais, à 5. Ah, ok. Ils ont 3 plus de base. Yes. Ou oh, 4 plus, attends. Ils doivent avoir 4 plus de base, je pense. Euh, j'ai un petit doute. Ouais, c'est ça. que ça passe. Ok. Et ensuite, les tirs de. Les, les deux mitrailleuses de coq, là, qui sont là. Euh, ça touche sur du 3 à relance des as, puisque c'est de l'arme lourde, encore une fois. Plus 1-1, pour toucher. Ouais, c'est pour ça, ça touche. Plus 1-1. Un un. Un. En fait, j'ai vu, ouais, plus 1-1, un, un, donc là, ça passe pas. J'en ai 3 qui passent. C'est de la force 4, ça blesse donc à 3 plus. 3 ça euh, ça passe pas ça passe pas et eh ben écoute ça fait une sauvegarde à à PA moins deux ou PA moins en fait donc on a vu à 6 et ça tank ok je vais euh, envoyer la foudre après avec le reste de mon armée euh, je vais y aller euh, essentiellement avec les tirs les gros tirs de canon, je vais essentiellement tailler dans le poulet avec les tirs de Gatling je vais shooter là-dedans, je vais essayer de choper avec mes quelques armes qui ont le plus de portée sur les 5 petits là-bas, et surtout je vais faire tirer lui en dernier, l'idée étant une fois que j'aurai lavé ça et ça, de réussir à choper des lignes de, 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 potentiellement de buter lui. Euh, voilà, vous voyez comment ça se passe, je vais donc envoyer la poudre et on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Allez, fin de ma phase de tir. J'ai réussi à enlever deux piaf. J'ai réussi à enlever quatre Breachers, Les cinq qui sont là. Euh, il faut savoir que ma phase de tir n'a pas été clairement ouf, parce que je pense qu'en stat les destructeurs n'ont pas été très très efficaces. Néanmoins, il faut noter quand même qu'il a euh, ici, euh, il a moins un naturel. Alors lui passe outre lui aussi, euh, mais pas lui. Donc lui n'a touché, touché qu'à 5 sur eux. Euh, après tout le reste, j'ai moins 1 pour les toucher. Il a plus 1 en sauvegarde, donc ce qui m'annule un petit peu euh, mon, bonus de, mon bonus de Doctrine Devastator. Euh, donc voilà, ça n'a ça pas été ouf en stat. Néanmoins, on va passer de suite à la phase de charge. Donc euh, mon gazier qui est là va charger euh, sur eux. Euh, c'est une charge auto puisque j'ai un pouce, mais la distance est quand même intéressante, donc ça fait 7. Et il y a lui qui va charger sur eux, donc lui c'est une charge à 9. Va-t-il y arriver Il y a un As et il y a un 5. Euh, si je claque un point de com, on est sur du 4+, et je je vais pas claquer mon point de com. Donc il y a que mon marteau qui charge. Donc charge réussi pour mon capitaine. Il a 4 attaques sur son profil, il a une cinquième parce qu'il vient de charger, il a une capacité de de, de taper à deux mais il tape avec un marteau donc il passe à 3 et c'est un capitaine il reroll les as on est donc sur du 3 plus relance des uns est ce que euh, la stade va s'équilibrer un peu ouais c'est pas mal déjà il y en a quatre qui passent allez sur du 3 yes 5. et tout qui passe et maintenant ça blesse euh, ça blesse à 4 attention ça blesse à 4 euh, non ça blesse à 3, 3 pardon 3. Euh, bah écoute il y en a quatre qui passent et ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un point de com pour relancer celle-ci Bon, premier point de com' de la partie et qui passe. Donc, du coup, tu as 5. Euh, bah, ça te fait 5 à vue. Faut 2-6, oh sinon c'est boom. Eh ben, c'est boom. Eh ben, Est-ce est qu'il explose Alors, le premier qui est là. Ouais. Non, et l'autre là-bas S'il vous plaît, non. Non plus. Merci. Ok, euh, donc eux meurent et je vais faire mon petit piline. On arrive à la fin de mon tour. Ce gars-là a un commandement de 7, il a perdu 4 gars, donc sur un 4 et plus, il meurt. Attention eh ben non, il tient, il tient. tient. Yes. Il tient. Euh, néanmoins, j'ai deux gars quand même qui sont euh, sur l'objectif, donc ce qui va me permettre de tenir deux, euh, bah, de tenir deux piliers. Et Tildus en tient deux aussi, donc personne ne marque de points. Euh, par contre, j'ai tué plus d'unités que lui, puisque lui n'a tué qu'une unité d'intercessor et moi j'ai tué deux unités. J'ai tué les Skitari qui sont là. Et eux donc j'ai le plus 1. Euh, et en termes de scoring, alors en termes de scoring, je vais commencer à défendre le 1 et euh, Tildus lui va mettre 2 points supplémentaires parce qu'il a fini de défendre celui-là. Euh, moi je vais défausser, et défendre le 4 et euh, je vais sécuriser euh, le 2. Donc je mets 1 point au Maelstrom. Euh, Tildus du coup il en met 2, euh, donc ce qui, deux ce qui fait 2-1 au Maelstrom. Et, euh, et voilà, on est pas mal et on se retrouve de suite pour le tour 2. Ok, donc Tildus avait en main puissance de feu écrasante et euh, marqué l'objectif 2. Et là, il vient de tirer, sécuriser l'objectif 3, qui tient, donc il n'y a pas de, euh, pas de raison pour qu'il ne l'ait pas. Et ensuite, il tire, sécuriser l'objectif 1, qui est ici, euh, mais qui est tenu par mes scouts un peu, un peu cachés, quoi. Euh, donc voilà, vous voyez sa configuration au début de sa phase de mouvement. On est ici, on se retrouve à la fin de celle-ci. Ok, fin de phase de mouvement pour le tour 2 de Tildus. Bah, Vas-y, je te laisse nous expliquer un petit peu la, la manœuvre. Bah écoute, euh, le but du jeu c'est d'arriver à choper 3 piliers sur 4, hein, puis de les choper correctement. Euh, je ne sais pas si je vais réussir, mais donc je me suis un, mis un peu hors de portée euh, des répulsors parce qu'ils me font peur. Donc il y en a deux, je me suis mis hors de portée. Puis le troisième, je me suis rapproché pour essayer de le péter avec les castellans et les destroyers plasma. Les onégards, je les ai mis hors de, de tir. Pour euh, qu'il soit en fait euh, au chaud, pour que si tu sors tu sois pas euh, à portée de pomme le me les flinguer, que je puisse les défoncer avec au T3. Ok, ok donc là on a euh, une grosse phalange qui se met en place. Il y a beaucoup de monde qui a de ligne de vue sur mes pauvres petits scouts qui tiennent l'objectif. faut savoir qu'il a mis aussi un petit euh, un petit destro ici. Euh, moi de mon côté, hein, au début du round bien évidemment, j'avais placé mon, mon Psyker Primaris avec le Iron pour. Donc c'est ce châssis là qui réduira les damages de 1. Et, euh, et on est bon. Et ben écoute, on va pouvoir attaquer de suite ta phase de psy, qui n'existe pas. Et maintenant, on va attaquer ta phase de tir. Euh, c'est parti. Ok, début de la phase de tir. Donc, c'est euh, ces gaziers-là qui vont se charger de shooter dans le répulsor que vous voyez juste au fond. Alors, eux, ils, vont, ils ont une capacité de tir de 4 plus. Euh, Tildus a passé son protocole, donc ils vont reroller Un pour toucher. Il va utiliser un point de com, un stratagème, qui va lui permettre de passer à CT3. Donc, il va toucher à 3 plus, relance des as. Et en plus, il va utiliser Colère de Mars sur eux, puisque. En plus il tire au plasma et que euh, bah, le châssis qui est là eh, le gars il a anticipé quand même euh, il a placé son iron stone donc lui il va réduire les damages lui il va réduire les damages de 1 donc les plasmas ne feront que des damages de 1 et, euh, et on est pas mal euh, du coup c'est parti ça touche sur du 3 plus reroll les as on est d'accord tu ça. surchauffes pour avoir la force je surchauffe. la force 8 d'abord si des 6 tirs c'est pas mal, tout ça. Ouais, non, c'est, oui, c'est, stable. Ça fait 21 tirs. 3+, plus, euh, relançable. Grâce à Belisarius. Non, je relance ça, je relance ça, je relance ça, je relance ça. ben, tout passe. Eh ben, écoute, il vient de me faire 21 touches. Ça, ça picote. Force 8 en du 8, c'est sur du 4+. Et sur des 6, c'est de la blessure mortelle. Ah, voilà. Donc, un minimum de 6, demande le dieu Iron Hands. Oh, ah, j'en fais qu'un. Oh, c'est nul, 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 6. 6. Plus, plus une mortelle. Donc, je perds 1 PV. Père moins 3, j'ai de la save à 6. Save à 6. J'en sauve une. Pardon. Lui, il s'est cassé. Oh, oui. Donc, je prends 5 PV. Plus la mortelle, ça fait 6. Et j'ai donc des peine à 6 parce que je suis Iron Hands, bordel! Bon, je rate et je prends 6 PV euh, dans mon répulsor qui est là. Euh, on va dire que euh, normalement il aurait dû prendre un peu plus la foudre, mais il y a eu craquage au niveau des blessures pour nos amis qui sont là. Carrément, c'est euh, nul. On passe, on passe à la suite. Pour les quatre castellans, on a lui, c'est le seul qui a une ligne de vue. Il va remettre une petite salve dans le répulsor et euh, les trois autres vont balancer tous leurs tirs sur ces. 5 pauvres scouts qui sont là, on se retrouve une fois que la poussière est retombée. Fin de la phase de tir, donc eux ont enlevé euh, mes cinq mes scouts qui tenaient l'objectif là, donc ça lui permet de récupérer le 1, et il a rien fait de plus sur le répulsor. Euh, néanmoins, on arrive bah, à la fin de la phase de tir, la fin de la, à la fin du tour 2 la de Tildus, il va marquer... Donc, je fais sécuriser l'objectif 3 avec mes breachers. Ouais, qui sont là-bas. je fais sécuriser l'objectif 1 du coup avec mon bretcher ouais. tout nu et je fais puissance du je fait, fait vu que j'ai fait sauter les petits scouts à défaut d'avoir fait sauter le répulsor. Yes. Eh ben, écoute, ça fait trois points de rentrée en plus pour toi Maelstrom. Et actuellement, tu contrôles trois piliers et j'attaque mon tour 2. Ok, début de mon tour 2. Je tire sans le triple qui consiste à tuer du monde au corps à corps. Je tire sécuriser l'objectif 5 qui est aussi mon petit cadeau. Et ensuite, euh, bah, j'avais encore en main défendre l'objectif 1 et chasse au gros. Euh, ok, eh ben, c'est très bien. Et c'est parti. Vous voyez ma configuration au début de mon tour 2. Et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. C'est parti. Je suis, je suis... Allez, fin de ma phase de move. Donc globalement, euh, le répulsor qui est ici, eh bien, euh, il fly. Donc il est venu se caler euh, tranquillement sur sa ruinas. Il est venu ni plus ni moins chercher des lignes de vue sur euh, sur euh, les mecs qui sont là-bas. Hein. Euh, voilà ensuite on a les marines que vous avez ici qui se sont disposés de façon à prendre les deux objectifs que vous avez là euh, on a Feroz qui a suivi ce châssis-là de façon à lui filer le plus un pour, euh, pour hit euh, ensuite on a euh, le libby qui a suivi ce châssis-là pour pouvoir lui passer le sort on a le captain qui est venu ici parce qu'il compte prendre le premier sang et après prendre l'objectif et euh, le Redemptor qui là ne sert pas à grand chose pour l'instant, qui se contente d'avancer. Et euh, idem pour notre ami qui est ici. Donc là, euh, clairement, le, la volonté assumée de ce tour pour moi, ça va être de réduire sa capacité de létalité qui est ici. On commence la phase de psy. Donc lui, il va passer le plus un pour hit sur ce châssis-là. Ça passe sur du 5. C'est passé. Et il va passer le regain de points de vie sur ce châssis-là. Euh, ça passe aussi. Je regagne euh, des 3 pour lui. Ça fait deux, donc du coup, j'en ai perdu 6 PV et j'en ai perdu plus que 4. Maintenant, phase de tir. Donc phase de tir, hein, je vais tout. Euh, je vais les canons destructeurs. Donc tous mes châssis ont bougé de plus de la moitié de leur mouvement, donc j'aurai qu'une phase de tir de canons destructeur. Néanmoins, euh, tous mes tirs de canons destructeurs vont partir euh, dans les gros. Et puis après, euh, je vais disperser mes tirs euh, selon euh, selon. Euh, en tout état de cause, c'est lui qui va tirer en premier parce que c'est lui qui a le moins de ligne de vue. Et, euh, et ensuite, pour le reste, bah, les deux-là tirent C'était deux plus. Et euh, vous voyez, il a ces quatre robots, il a ses six, ces euh, Destro. On va voir si j'arrive à lui mettre la dose. C'est parti. Et euh, bah là, c'est simple. Hein. Mais mes armes, mes Bolter ainsi que euh, mes euh, mes lanceurs fragstorm Storm, lance Frag n'ont pas la portée pour atteindre les robots. Et donc j'ai que des, des armes lourdes. Donc toutes les armes lourdes vont partir dans eux. Donc euh, le, on commence par le canon destructeur. Euh, ça touche sur du euh, 3, plus, les amis. Reroll des As, puisque je suis encore en Doctrine Devastator et ça fait partie bah, de, des bonus un petit peu du, de, de Iron Hands. Donc ça fait 2 touches. Euh, force 10 sur de long du 7, je le blesse à 3. Plus. Et bien bah, ça fait 2. Il est en protocole euh, toujours à 1 vu à 4. Donc 2 à vu à 4 pour les robots. C'est TP à combien Super, moins 4. Ok, 4 plus. Et bien bah, ça fait euh, D6. Euh, D6 avec un minimum de 3. Ça c'est plutôt cool. Bah voilà, ça fait 3 PV net. Okay. Et ensuite, c'est parti. On a euh, Bolter lourd jumelé. Euh, 3 plus, relance des as. Relance des as. Ok. Euh, blesse à 5. Force 5 sur devant du 7, ça blesse à 5. Ok, oh là là, joli, ouais. ça en fait 4. C'est PA-1 de base, Doctrine Devastator PA-2. Euh, du coup, tu es de la save à 4. Ouais, de save. Puisque, euh, il a son protocole et il a une save à 2. Et ben, je prends prendre la à 4 parce que sur un 6, t'as une blessure mortelle. Ah ouais Donc euh, je prends la souvenir de bien, avec. Bien sûr. Deux blessures mortelles. Ouais. Allez, et un PV qui passe. Ouais. Donc deux no pain pour les blessures mortelles. Bah, une seule, parce que je suis un, un bon gars. Man. Ensuite, la bonne vieille Gatling Onslaught euh, sur du 3 ⁇ relance des as. Il y en a là, euh, hop, ok, et je le blesse sur du 5+, plus. rien du tout à la gatling, ok, euh, ensuite il va y avoir le D3 tir de force 7, euh, ça c'est cassé, et bah ça fait 1, je le touche à 3, relance des as. Je le blesse à 4, c'est de la force 7. Et ben ça ne fait rien. Je serre correctement Et ensuite, on est pas mal. Si, il y a les mitrailleuses Iron Hell, donc il y a 6 tirs de force 4, PA-1. Je touche à 3, reroll des as parce que c'est de l'arme lourde, j'ai la relance. Allez les nonos Et après, je blesse à 5, c'est de la force 4. Euh, C'est de la PA. C'est de la PA-2. Donc t'as toujours ton invue à 4 qui va me balancer des la mortale. Deux invues à 4. Et 2 PV en moins. Et j'en ai peut-être un qui pète. Non. Ok, j'ai enlevé un robot avec un répulsor. C'était celui qui touchait à 3. Donc normalement, les autres devraient être un peu plus flex. Euh, du coup, eh ben écoutez, je vais continuer à envoyer la braise. Vous avez vu globalement comment ça se passe. Normalement, ça devrait pouvoir faire un peu plus de dégâts avec les autres. On se retrouve à la fin. La poussière retombe et... Eh ben écoutez, j'ai réussi à enlever 4 breachers et euh, seulement un robot. Euh, faut savoir que je me suis un petit peu mal pris au séquençage puisqu'en fait j'ai commencé à faire tirer lui euh, qui était le plus proche et qui avait les meilleures lignes de vue donc ce qui est une complète erreur puisqu'il faut systématiquement penser à le faire, hein, à faire tirer les unités qui sont le plus loin et qui ont le moins de lignes de vue donc en gros je me suis en faisant commencer à tirer lui euh, je me suis enlevé des tirs mais euh, voilà je suis une truffe, je suis une truffe. Euh, j'ai pris deux PV supplémentaires à la mortale grâce au, au sauvegarde invulnérable de, de nos amis les robots. Et euh, là, on va attaquer directement la phase de charge. Donc là, c'est lui qui va charger là-dessus. Il n'a pas de ligne de vue, donc ça va être une charge euh, quasiment cadeau. Ça va être une charge qui se passe plutôt bien. Donc je vais venir me mettre ici. Et on va dire au revoir au dernier voiture. Et surtout, avant ça, je vais faire charger lui contre lui. Donc là, c'est pareil. Petite erreur de positionnement, mais je sais pas si tu, si tu pouvais faire autrement. Il est resté à un pouce, il est resté collé au mur, ce qui fait que je vais pouvoir mettre mon, mon châssis ici et le contacter. pas choix, je suis à voilà. max. Hein. Quand on a la... si on a la possibilité de le faire, bah, il faut pas hésiter à rester à un pouce de plus du mur. Comme ça, bah, notamment quand on a des drain les drain ne peuvent pas venir vous closer. Je Mais... Petite charge, 4 pouces, c'est suffisant et ouais, je vais venir, euh, je vais venir me positionner là. Test de morale pour lui, c'est un test de morale sur du 3+. Oh, yes, joli, il a perdu okay. 5 gars, il a moins la 7, donc lui tient. Au niveau des piliers, on est chacun à égalité. Euh, moi, je vais recommencer à défendre le 1. Je mets 100 équipes en tuant les Breachers. Je mets sécurisé l'objectif 5. Euh, je vais commencer à défendre le 1 et je vais défausser Chasse au Gros. Et puis maintenant, on va passer au tour 3. OK, tirage du tour 3. Donc un tirage compliqué pour Tildus puisqu'il tire sécuriser le 3, sécuriser le 1 euh, bah, qui sont euh, alors le 3 non, c'est pas un problème mais il tire sécuriser ouais. le 2 et sécuriser le 1 euh, qui sont chez qui sont clairement chez moi et tire sans les triples, qui consiste à tuer une unité au corps à corps ce qu'il compte pas faire. Alors c'est vrai que bah il, il va se bloquer la main et donc il décide, il a et, 4 points com. Et surtout que là je peux m'en sortir que au maelstrom. Là. Ouais, exact. Donc il faut que je rec... donc je claque 2, 2 points com, ce qui a... donc ça c'est un stratagème purement des scénarios ETC, et bah, il va changer complètement sa main. Donc ces cartes là sont Discard et il va tirer une nouvelle main qu'on va découvrir tous ensemble. Et donc, il ne me reste plus que deux points de com. Ça, c'est pas terrible, mais bon. Alors, Alors attention, nettoyer le ciel. Nettoyer le ciel. Ok, c'est bien. Nettoyer le 6, cadeau. Objectif critique de mission avec oh. un petit dé. Avec un petit dé des familles sympas. Allez, allez, 3, c'est Cadeau. Le cadeau. Et le Secure objectif 4, les 4 ouais. que je peux faire oh, Ok bah voilà, un bien ouais. meilleur tirage pour, oh, pour euh, Tildus. La manœuvre, la manœuvre a été donc productive ouais. euh, et on voit sa configuration au début de sa phase de mouvement et on se retrouve à la fin. Alors fin de la phase de mouvement. Il faut savoir qu'au tour précédent, euh, avec son Data Smith, et eh bien Tildus euh, nous avait préparé l'ancrage euh, de ces euh, de ces robots. Donc ils vont pouvoir passer en double tir. Euh, le Breacher, qui était esselé, vient se cacher. Donc le euh, donc le Destro pardon. Donc on voit qu'il n'a absolument pas respecté ce qu'on avait dit au, pr au, au tour précédent, c'est-à-dire de, de laisser un pouce entre le, le mur et lui, euh, et donc euh, potentiellement s'exposer à une charge de Dreadnought. Donc euh, on va le faire euh, pour euh, pour Je le bon exemple sur Commander TV. Et ensuite euh, les, les, les Breachers qui sont là C'est les Breachers, je, les Breachers je, 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 je Eux ils se sont avancés pour se mettre à portée euh, du, du volant euh, de, de cet oiseau Et euh, eux sont déjà à portée Donc là en gros ça va défourailler Et puis deux, deux points de donc, com hein, dans la foulée pour euh, Colère euh, de Mars Mon objectif si c'est un peu cheaté c'est qu'avec les nonos je pète un répulsor ouais. J'y crois Il lui reste 10 PV Et avec euh, les Breachers et les Ennagers je pète le deuxième Ok on commence par, euh, par ici Allez, donc là ici c'est en double tir, donc il y a 18 tirs par gars, ouais, c'est ça ça. Euh, ça fait 18 x euh, 3, ça fait 54 ouais, tirs. Ce qui fait c'est qu'il est bien évidemment en portée de, de sa relance de, de Bébel, donc tu vas toucher sur du 4 ⁇ plus relançable. c'est bien Et ça Sur du 3 euh, ⁇ oui sur du 4 ⁇ 4 relançable pour, euh, voilà, pour tout le monde. Et euh, bah, écoute c'est parti, là il y a 18 dés 18 dés, donc j'envoie 3 fois ça. 3 fois ça, allez, 4 ⁇ reroll. Bah... Oh c'est très joli ça. Et eh bien j'en rate que 3, ça fait 15 Est-ce qu'on ferait pas les blessures dans la foulée non Donc on est sur du 5+, hein Oui Donc ça fait 1, 2, 3, 4 blessures mortelles en plus C'est ouais. le jeu plus joli hein. Donc ça fait 6 sauvegardes, 4 blessures mortelles Ok, donc c'est les sauvegardes à PA combien C'est PA-2 PA-2, donc j'ai de la save à 5 Donc 6 sauvegardes à 5 c'est très beau, donc j'en réussis 5. Donc je perds qu'un PV. Et tu avais passé 4 mortales, on avait dit Ouais, c'est ça. 4 mortales. Donc 4 euh, mortales plus une sauvegarde ratée, ça fait 5 Philnopain à 6. Euh, c'est parti. Euh, ben, je perds en tout 5 euh, ben, PV. Pour okay. l'instant, il m'a enlevé 5 PV sur la première salle de 18. Deuxième salle de 18. Ok j'ai donc 3 sauvegardes à PA-2, 3 sauvegardes à 5, il me reste 1 PV, c'est Showtime oh Et mon répulseur survit à 1 PV. Euh, c'est incroyable, c'est euh, Iron Hands. Donc bah gros euh, gros coup de chat hein, côté répulsor avec la, la sauvegarde du dernier PV. Euh, du coup bah on va voir si le culte arrive à quand même à enlever euh, enlever ce, ce, cet oiseau de malheur. Donc bah les euh, les on a, ils sont 5. non ils sont 4. ils sont quatre ça fait, ils sont huit, quatre, tirs. Ça fait huit tirs mmh. euh, donc c'est mmh. ceux-là qui font des décis damage sur les châssis. Alors, par contre ça blesse à 5. c'est ça la grosse difficulté. Ouais donc 4, plus 4, plus. Quatre plus pour toucher. Ouais. Quatre plus. Ok. c'est celui-là. Hop, ça passe. Et là, ça blesse à 5. Ouais, et puis là, il faut faire des gênes en là. Moins 2, donc ça me fait 4 sauvegardes à 5. Est-ce qu'on va euh, reproduire l'irreproduisible yes. euh, Ça fait 3. Du coup, je prends 3 des 6 dans la, tron dans la tronche. Allez. Oh, ça, c'est raide. Hein. Ça, peut, ça peut piquer. Hein. Cas, ça, ça fait plus 7. Plus tard, ça, enfin. euh, ça, fait, ouais. ça fait 7, 8, 9. Donc, du coup, j'ai 9 in pain quand même. Je suis un mec à Iron Hands. Et euh, c'est parti. Euh, 9 sur du 6. Euh, j'en sauve une, celui-là là-bas est cassé. Et eh bien j'en sauve une, donc je perds 8 PV sur ce châssis grâce à ces bleachers. Et maintenant on passe eh ben, au, au shooter de Flyer. Euh, là il, met, il, il a que, hein, donc il va tout mettre euh, là-dedans. D'abord les lance-missiles d'Aideluce. Allez c'est parti, donc ça c'est ceux qui font des C'est du de plus. C'est du de plus. Donc, le deux ok. Force de 7, en du 8, 8. C'est sur du 5. Une ça une en fait une. p un la moins 3, 3. J'ai une petite save à 6. Non. D6 dommage. Allez le bon vieux D6 des, des familles. Yes Et bah ça fait 6. J'ai 6 Phil No Pain. Pardon. Hop, 6 Phil No Pain à 6. J'en réussis un. Je perds donc 5 PV. Euh, il m'en reste plus que 3. Ça va piquer. C'est les autocanons Icarus. Donc on y va. Ça fait 8 tirs en tout. Les autocanons Icarus, ça touche aujourd'hui du 2, il a, il a le plus 1 pour toucher parce que je oui. fly bien évidemment. Tout qui touche. Hop, donc là on est sur de la force de 7. C'est tout pareil. C'est sur du 5, toujours. toujours. Ça fait. 3 sauvegardes à moins 1, 2 dégâts. Euh, 3 sauvegardes à moins 1, il me reste 3 PV, c'est des sauvegardes à 4 plus. Allez, on y croit encore. Eh ben, on y croit bien, tout est réussi. Euh, il reste quoi d'autre comme arme euh, Les gatling, donc 10 tirs. Gatling, c'est quoi comme ça euh, du 2 euh, 6 moins 2, 1 dégât. Donc là, je rate ça. Et puis là, on est encore sur du 5 plus. Sur du 5. Donc 1 et 2. C'est mono damage Donc là, c'est moins 2. Et moins 2. Ça y à 5. Oh là 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 Ça tanque, hein, le. Ça, ça, ça tanque côté corner TV. Ils ont tout tiré Et c'est fini, j'ai le plan. Donc il me l'a tombé à. Il lui reste plus que 3 PV et lui, il lui reste plus qu'un PV. Fin du tour de Tildus. Vas-y, commente-nous un petit peu ce qui s'est passé. Eh ben, c'est un désastre. Hein, dans le sens où j'ai réussi à ne laisser qu'un seul petit PV sur ce répulsor. Je suis dégoûté. Ouais. Et j'ai réussi à ne laisser que 3 petits PV sur ce répulsor. Je suis dégoûté. Avec des jets de sauvegarde assez fabuleux. Donc bravo à, tout, à plein. <laughs> mais et bon, mais on ça est, score quand même. Mais en maelstrom, je score, je fais 3 objets sur 4 et j'aurais dû faire nettoyer le ciel. ciel. Euh, les, les dés n'ont pas voulu. Les dés en ont, ont voulu autrement. Euh, je suis dans l'aura du battle bunker Commander TV, donc protégé oui, par oui, un GD oui, oui, oui. improbable. Euh, du coup effectivement tu contrôles donc tes objectifs, et, tu mets 3 points de maelstrom et tu tiens euh, deux euh, piliers et tu ne mets euh, pas de points au... au... Comment ça s'appelle ah, tu m'as compris ouais. euh, et euh, moi je vais défendre l'objectif 1 puisque mon gars y est depuis euh, depuis deux tours maintenant euh, donc euh, voilà et euh, on se retrouve pour le début de mon tour 3 Allez, début de mon tour 3, je tire. Donc j'avais plus rien en main. Je tire donc Telewarp. Donc je vais pouvoir faire qu'à 1 point, puisque j'ai un psychar niveau 2. Enfin, je peux jeter que 2 sorts. Donc je ne pas le faire à 3 points. Donc c'est pas grave, je le ferai à 1 point si je réussis mes sorts. J'ai défendre le 6. Là pour le coup le 6. Euh, le 6 est ici, là-bas. Donc c'est compliqué pour moi. Par contre après, je chope défendre le 2, défendre le 5. Donc ils sont... Ici et ici, donc concrètement, euh, trois objectifs que je vais pouvoir faire et donc et défendre le 6 que je défausserai à la fin de ce tour. Vous voyez ma configuration ici. Euh, là, on va passer en mode euh, reforge et euh, je vais commencer à me reheal de partout. On se retrouve à la fin de ma phase de Alors, fin de ma phase de mouvement, et, euh, et donc vous voyez mon, mon positionnement, donc lui ne peut que bouger de 3 pouces, il lui reste 1 PV, euh, donc il a Iron Hands, donc il doit doubler son PV pour connaître sa, son statut euh, sur les caractéristiques, donc 1 x 2, enfin voilà, vous m'avez compris, donc il est toujours en low battery, euh, il a bougé de 3 pouces, il s'est juste positionné pour mettre un gros coup de canon euh, dans ces gars-là. Euh, ensuite, on a euh, le châssis qui était lui, qui est full PV, qui est ici, il nous a fait un petit jump là, c'est pareil, il est venu pour avoiner, euh, notre ami qui était là perché ici et s'est décalé ici, euh, Feroz s'est positionné là, Feroz va le re de 3 PV et je vais enfin utiliser des points de com, je vais utiliser deux, euh, un point de com et je vais doubler donc il va récupérer 6 PV. Donc euh, il me reste 6 points de camp, maintenant il ne me reste plus que 5, euh, pour le reste de ma phase de move, donc bah, eux contrôlent toujours leurs deux objectifs, j'ai fait un petit bump en avant avec euh, mon châssis ici, et euh, surtout avec mon capitaine marteau bouclier, et, euh, et on va de suite passer à ma phase de magie, donc là lui il a déjà récupéré 6 PV, et mon premier sort que je vais passer c'est le re-heal, enfin le, la récupération de PV avec mon archiviste, Primaris, attention, euh, c'est un péril, je vais utiliser, c'est mon seigneur de garde, donc je vais utiliser encore un petit point de com pour relancer ce dé. Bon, je rate mon sort, mais moi je prends pas de péril. Donc j'ai raté, donc j'ai récupéré que 6 PV, ce qui est déjà très bien. Et, euh, et euh, ça serait bien quand même que je réussisse un sort, donc je vais passer le plus 1 en CT sur lui. Enfin le plus 1 pour hit, ça passe sur du 5. Et Ça passe. Ok, j'ai réussi mon sort. Lui a une CT de 2+, j'ai dompté le warp. Euh, lui a récupéré ses PV et de suite, début de ma phase de tir. Ok, début de ma phase de tir. Donc, cette, euh, ce châssis-là euh, bénéficie de, de Feroz. Donc, il va toucher à 2+, plus a une CT à 2+, euh, lui il passe à CT à 2+, aussi avec son 1 pour hit. Lui, il est un peu dans les choux, il a une CT à 5+, puisqu'il est dans son dernier profil. Et, euh, et donc, ce que je vais faire. Je vais faire commencer à tirer lui parce qu'il a peu de lignes de vue sur les robots. Donc il va mettre son canon destructeur là-bas dans les breachers et il va mettre tout le reste de ses armes dans les robots ensuite je ferai tirer eh ben, le reste des châssis et on se retrouve à la fin de ma phase de tir voir ce qu'on a fait ok fin de ma phase de tir et eh ben j'ai réussi à enlever les trois derniers robots j'ai aussi réussi à enlever un un breacher et il se trouve que de toute façon avec le positionnement euh, de son destro qui est juste derrière là euh, du coup tous ces persos sont inciblables pour euh, pour ce tour là pour moi donc en gros ça limite ma phase de tir maintenant parce que là j'ai plus de portée et puis je peux plus cibler ces personnages euh, fin de ma phase de tir donc j'ai quand même enlevé euh, j'ai quand même enlevé une... Des, des robots donc ça c'est très bien ouais, et, fait euh, mal, hein. et euh, du coup je vais faire euh, surtout celle que je veux savoir c'est ma charge à 8 ici euh, qui, qui va pouvoir peut-être enfoncer le clou euh, lourdement sur ce tour 3 euh, c'est une charge à 8 il n'a pas de ligne de vue pour mover watch c'est parti oh charge réussie euh, donc je vais pouvoir empiler sur les deux euh, les deux gaziers qui sont derrière c'est donc une charge réussie. Là, ce que je vais faire, je vais utiliser un point de com. Je vais utiliser un stratagème Iron Hands. Je vais lui passer plus un en CT. Donc il a une CT, euh, il a une CT, il, va, il sera, touchera à 2 puisqu'il a moins 1 normalement avec son marteau. Mais là, il, a, il touchera il touchera à deux avec son marteau. Je vais mettre deux attaques dans le breacher et trois dans ce dans ce petit gazier. Donc les deux attaques dans le breacher, elles touchent à deux. Relance des as car je suis un capitaine. Les deux passent. Je vais euh, le blesser. Pardon, il est oui, il est oui, oui. Il est là. Je vais le blesser sur du 3. Euh, T'as une. Vue, c'est ça? Oui, une invue à combien? Oh, Vas-y, est-ce qu'il va réussir sa save allez, à 6? Allez, 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 si allez, c'est un rat, c'est bon. Hein. Ah. Ah, on le compte casser on le compte pas casser On dit quoi? Non, allez, on, on, le, on le compte comme un 6. C'est un 6, la, la save est réussie, euh, donc euh, c'est donc bon pour lui. Et l'autre va en prendre 3, on touche sur du 2 plus relance des as. Euh, tout qui passe, il a une endu de 5 lui aussi. De 4. Endu de 4, donc là ça blesse sur du 2 ⁇ par contre. Il euh, y a tout qui passe, et il a une invue aussi l'animal. Endu à 5, donc il y en a 3. Il faut que tu réussisses 2 pour le sauver. Ah <laughs> On a senti le... Vraiment la... la... Donc il meurt. Euh, il meurt, ça c'est cool. Et, euh, et bon, son, son, Breacher est, son Breacher est resté en vie, euh, C'est pas très grave en soi puisque de toute façon tu peux pas désengager tirer avec lui. Non. Donc il, il, en, en soi c'est un capé que je prendrai un petit peu plus tard. Juste. Il est fini. Euh, J'arrive donc à la fin de mon tour dans cette configuration-là, je commence à défendre le 2, je commence à défendre le 5, j'ai marqué mon Dante Warp, euh, on tient deux piliers chacun et j'ai marqué plus de kill points que lui donc je mets plus un à l'éternal et, euh, et donc on va passer au tour 4. Tirage du tour 6 pour Tildus, bah il avait nettoyé le ciel encore, il tire assassinat. Bah, je pense que le, le capitaine est bien placé pour, pour l'accueillir. Euh, Chasse au gros, bah ça fait euh, ça va en corrélation avec nettoyer le ciel et il tire aussi sécuriser l'objectif 6. Donc bah celui-là c'est aussi le petit objectif cadeau des familles qui est juste ici. Euh, on voit sa configuration au début de sa phase de move, on se retrouve à la fin. Fin de la phase de mouvement du tour 4, bah tu le dis, je te laisse je te laisse le dire la manœuvre. Et bah écoute, l'objectif avec l'Onegger qui est ici, je veux absolument finir le répulsor qui est là-bas, tout à gauche. Le celui-là qui reste qu'un PV. Oh, J'en peux plus, il faut que je le fonde. Il <laughs> euh, faut que je le fume. Il y a les bretures qui sont ici et le deuxième Onegger qui vont essayer de fumer le deuxième. Et lui, il et reste je... 7 PV. Euh, Stat, je peux peut-être y arriver. Ouais. Et enfin, ici, il faut que je pète son perso ouais alors je vais tirer au pistolet au tout le... ce que le... tu peux là Il y a tout ce que que je peux si pas je je vais caquer je je vais le défoncer ok euh, je pense que le monde veut savoir si tu butes ce répulsor donc la manœuvre enfin je sais pas dans quelle heure tu veux sé... dans quelle heure tu comptes séquencer les tirs non je vais d'abord tirer avec euh, on va avec... là là bas ok alors on se retrouve une fois que ces gars là ont tiré bon et donc la poussière retombe ces deux unités ont enlevé 6 PV euh, au total sur lui qui le laisse à 2 PV, il faut savoir que j'ai réussi un double fin J'ai réussi deux 2-6, hein. ça n'a ça pas été filmé, mais le, le monde l'a vu, nous on l'a vu en tout cas. Donc il reste deux PV sur ce répulseur là. Et, euh, et donc euh, bah, il lui reste encore cet onagre qu'il avait positionné pour tuer cet ami à 1 PV. Je vais, je vais tirer sur l'autre parce que je veux pas que tu le répares avec Féroce. Hein. Exactement, comme Féroce va pouvoir éventuellement lui refiler 6 PV au prochain tour, euh, il a tout à fait raison, il vaut mieux qu'il fume celui-là et, euh, et qu'il laisse celui-là à 1 PV pour l'avoir sur le tour 5. La question c'est est-ce que tu vas le tuer ou pas 2 PV normalement ça saute on va on va le voir allez on allez on, on le suit en live la lourde la lourde, ça, lourde 1. sur du 2 ça c'est cassé lourde 1. ça passe 5 raté raté bon. ensuite quatre coups de, -canon. de canon sur du 2 toujours c'est la blesse 5. à 5 qui te met dedans à chaque fois oh là, ça blesse pas, ah, pas. Mais Et si, mais si. 5 tirs de, tu peux le faire de, de aïe 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 il y a un petit as ça blesse à 5 ça me laisse un sac. Oh là le... là. Aïe, aïe aïe Le deuxième ne fait rien du tout. Mon dieu, mon dieu. Du coup, tu me tues pas de répulsor Je te tue pas de répulsor. Ah, fuck. Aïe aïe aïe. Ok. Euh... C'est deux tirs de fou furieux au niveau des. Il et reste mon échec euh... par rapport au répulsor. Il reste le job à faire ici. Donc là, tous les tirs qui vont aller là vont partir dans le capitaine. C'est ça. On se retrouve une fois que la, la poussière retombe. Et fin de la phase de tir côté Tildus. Il m'a enlevé deux PV sur mon capitaine. Et maintenant, tu vas charger avec qui du coup tous Bah, tous, c'est à dire, bah lui il peut pas charger, il a désengagé. sauf lui, mais les Bon, oh, oh, en fait, les deux là, c'est ça Ouais, pour bon, que je fasse au moins assassinat, vu que okay. j'ai raté de nettoyer le ciel, j'ai ce ah, gros. Allez, donc la charge de lui, on fait pas doublasse quoi. Ça passe, ok, c'est bon, et l'autre Ok, charge à 5 pour le deuxième. Ça rate. Charge à 9 de Belisarius. Et ça passe. Non, donc, donc, donc t'as que lui qui va arriver au corps à corps. Et ça suffira pas du tout, et il va mourir. Alors je tiens à noter, parce que là du coup lui il a réussi sa charge, donc c'est pas problématique. Néanmoins, il faut faire attention parce que euh, Tildus a désengagé avec son breacher. Euh, pensez quand vous désengagez à venir à plus de 3 pouces, parce que s'il avait raté sa charge, même si elle est clairement facile, j'aurais pu faire une intervention héroïque sur lui et donc le buter au corps à corps. Donc pensez quand vous désengagez à venir sortir de cette aura d'intervention de, de, héroïque qui m'aurait permis en fait de tuer ce gars-là, et de refaire des mouvements de peeling et de gagner du terrain. En tout état de cause, notre ami qui est ici va taper. Ok donc j'ai euh, utilisé un point de com pour relancer une invue à 3 ⁇ qui m'ont enlevé 2 PV, euh, sinon il a rien fait, parce que j'ai réussi ma relance, et euh, du coup je lui ai, ai mis euh, des coups de marteau dans le groin en contrepartie, et, euh, et du coup je vais me faire un petit moment de piline, et on arrive à la fin du tour de Tildus, qu'est-ce que tu scores de beau Eh ben je ne fais pas nettoyer le ciel, vu qu'il reste 1 PV sur un répulsor, deux PV sur le deuxième, ouais. je ne fais pas chasse au gros pour la même, même raison. raison. Euh, je fais pas assassinat parce que j'ai réussi à aucune charge. Et si, peut-être, t'as pas réussi à tuer lui, mais moi ouais, je, je fais. Une charge, ça l aurait fait avec Belisarius, ça l'aurait fait, je pense. Et heureusement, je fais sécuriser l'objectif 6, c'est déjà et ça de gagner. Qui est ici. Euh, ok, et tu tiens deux piliers et tu fais malheureusement pas de euh, points de, de destruction. Et on passe sur euh, mon tour 4, à savoir que je mets 4 points de maelstrom supplémentaires avec mes deux défauts euh, que je fais en début. Ok, donc je tire 4 cartes, je tire suprématie. Il faut que je contrôle trois objectifs. Je tire « Sécuriser le 3 euh, ». Le 3 qui est ici, donc celui-là, ça va être relativement compliqué. Je tire « Sécuriser le 4 » qui est ici, sous le contrôle euh, de ces « Skitari. Et je ne tire pas de prisonnier qui consiste à tuer des trucs. Euh, donc on se retrouve de suite après la, ben à la fin de ma phase de mouvement. Vous voyez ma configuration. Donc lui, il lui reste 2 PV. Lui, il lui reste 1 PV. Euh, il me reste un point de com. Donc bien évidemment, ce point de com va me permettre de regonfler 6 PV à lui. Et, euh, et on est pas mal. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors, phase de mouvement, j'ai pas bougé grand chose parce que je veux garder mes, mes doubles phases de tir euh, pour mes, euh, pour mes, mes gars, euh, pour mes, mes gros châssis. Néanmoins, notre ami qui est ici, il a fait une euh, réparation et utilisé le dernier point de com. Donc j'ai regagné 6. Point de vie là-dessus, donc je suis à 8 sur ce châssis, ce qui fait que en plus de ça, je vais lui passer le euh, la CTA de plus, donc lui touchera 2+, Lui, il est, euh, il, est il est content d'être heureux. Euh, donc lui, il passe le moins 1 pour euh, le moins, moins 1 damage sur lui. Lui, il a pas bougé et euh, il va regarder droit dans les yeux. Euh, L'onagre qui est là-bas et puis euh, j'ai fait un jump avec mon, mon capitaine que vous voyez juste là-bas pour venir chasser les, les skitaris qui sont sur l'objectif euh, pilier de façon à marquer un point supplémentaire à l'éternel au niveau des piliers. Euh, de suite on attaque avec ma phase de psy. Je vais passer le plus un hit sur mon châssis qui est là. Ça passe sur du ça passe, parfait. Et euh, et je vais faire regagner des 3 PV sur lui. Attention ça ça passe sur du cinq. Et ben ça passe aussi. Je regagne des 3 PV sur ce châssis-là et j'en regagne 1. Euh, du coup, je passe à... Ce qui est cool, c'est que je passe en fait à 2. Et pour calculer mon, mon level de caractéristiques, je multiplie par deux, donc il me reste 4 PV, ce qui fait que je suis dans la tranche middle en fait. Euh, donc ça c'est cool, ce qui fait que lui touchera à deux plus, lui touchera à deux plus et lui touchera à quatre plus. Donc ça c'est c'est bo bonne donc, manœuvre. Ne jamais laisser un PV ou deux PV sur un puissant. C'est clair. Oh. Euh, je vais attaquer de suite ma phase de tir. Donc globalement, euh, je vais essayer de sécher le maximum de monde. On se retrouve à la fin de ma phase de tir voir ce que ça a donné. Pop. Petit correctif pour lui, euh, il est toujours en, en low batterie puisqu'il est euh, à 4 PV et que le profil, en fait, c'est 4 PV sur le dégressif du répulsor. C'est une erreur de ma part, mais à coup cool pas, on attaque quand même la phase de bagarre. Okay. Fin de ma phase de tir, j'ai viré les trois Breachers qui étaient sur l'objectif 3 avec un bon gros coup de canon désintégrateur. Et après pour le reste ça a été un petit peu moins efficace. J'ai réussi à enlever que 5, 5 PV. PV sur le nègre qui est là. Euh, ensuite euh, lui voilà et là ce que j'ai pas j'ai volontairement j'aurais pu tirer sur lui notamment avec lui mais je veux le garder là parce que ça va être une... un tremplin à la charge pour moi. Donc euh, voilà ça, ça fait que j'arrive à ma fin de phase de tir. Euh, voilà je vais faire ma phase de charge de suite. Euh, je vais charger avec euh, mon dread. Je vais charger lui et lui euh, pour tanker les tirs d'Overwatch et après je chargerai avec euh, mon patron qui est là sur euh, Bebel pour un, un, un joli combat de, de fin. Ok donc fin Fin de ma phase de charge, euh, bah, j'ai tanké, euh, j'ai voulu charger ici aussi pour tanker le Belisarius Mais j'ai fait une petite charge du coup j'ai pas pu venir hein, le loquer au corps à corps Donc après mon capitaine a repris un tir de contre-charge mais euh, ça n'a rien fait Donc je suis quand même au corps à corps et bien évidemment, bah, de toute façon t'as plus de point de com, donc tu peux pas m'intercepter donc je peux taper aisément Mais pour le pour la gloire, euh, pour la gloire je vais taper en premier sur Belisarius Et 5 euh, gros taquets de marteau, je touche Allez, à 3+, plus, relance des As Oh, il y a deux petits as qui font plaisir. Ah, les 5 qui blessent. Les 5 qui touchent, pardon. Force 8, c'est sur du 3+. Allez, 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 le gros capitaine. Ouh. Il a une avue à combien, l'animal Il a une avue à 5+. Un à 5, il y en a 4. Attention. On y croit. Allez, allez. Attention. Il prend 12 PV net. Il en a 8. C'est arrivé. C'est arrivé. Revoir, le, le, le marteau, hein, le marteau, c'est bien. Et, euh, et ici, euh, ici, ça va être, euh, ça va être des gros taquets avec le, le Dread qui est personnage. Alors, faut savoir que le Dread personnage, il a, il a, il a quatre attaques sur son profil de base. Et quand tu utilises le Stratagème pour le faire passer le personnage, tu gagnes une attaque. Et en plus, il a chargé, donc il, il est là. Euh, il touche à trois plus. Euh, J'ai pas de relance, par contre. Ça commence à sentir le pâté. Euh, J'en ai trois qui passent. Et par contre, je blesse à deux. J'en euh, eh ai que deux qui passent, il peut survivre, euh, ça serait con, mais ça peut le faire. Euh, donc, du coup, c'est, est, est-ce que tu as des invues ou pas Tous, ils ont une invue. Le DataSmith, il a une sauvegarde en vue à 5 plus. Et je réussis à rien du tout. Ouais, donc l'arme de, de la Dreadsuit, elle fait, elle fait 3 flats. Ouais. Euh, donc euh, voilà, alors on arrive globalement à la fin de mon tour 4. On a dit qu'on arrêtait la partie sur un tour 5, euh, parce qu'après, ça n'a plus un, un, un grand intérêt. Alors. Ce qui va se passer, c'est que j'ai le plus 1 pour euh, pour l'éternal par rapport au nombre de KP que j'ai fait. J'ai aussi le plus 1 parce que je, je tiens trois piliers et euh, Tildus et, euh, bah, s'en tient aucun. Donc ça me fait plus 2. Et ensuite, en termes de scoring. En termes de scoring, je vais faire la suprématie. Euh, je vais faire sécuriser le 4. Et je vais faire pas de prisonnier à, à 3 points, parce que j'ai tué trois unités au plus. Et... Euh... Est-ce que j'ai pas tué 5 unités hein Non, j'en ai... Non, j'ai tué l'Eskitari aussi. J'ai tué les Skitari, Belisarius, le petit gars, les mecs qui étaient là, j'en je ai tué que 4. Et il en, fallait, euh... il en fallait un peu plus pour, euh... pour faire le, le gros café qui va bien. Donc euh, je le marquerai à deux points. Donc en gros ça fait 2, 2 et 1, ça fait 5 points de plus au Maelstrom. celui la je le défausse. Donc je mets 5 points au Maelstrom et je mets 2 points à l'Eternal. Euh, on arrive, on va attaquer le cinquième et dernier tour de cette partie. Ok, tirage du cinquième et dernier tour pour Tildus. Euh, il avait nettoyé le ciel chasse au gros Assassinat et tire l'objectif 5 qui est euh, là-bas. Donc c'est clairement mort pour l'avoir. Euh, néanmoins, sur son dernier tour, il a, il a encore de la ressource pour faire, euh, pour faire ces trois cartes en fait. Je veux péter un répulseur. On ouais. y arriver. C'est vrai bien. que tu l'as dit depuis le début, tu aimerais <laughs> péter un répulseur. <laughs> voilà, t'as as les deux châssis pour le faire. Ouais, ça, euh, dois... ça devrait le faire. Un juste. PV, je, le, je le fais pour l'honneur. Ouais, ouais, normalement ça devrait le faire. Et euh... euh, peut-être avec un peu de chance, me faire le capitaine. Phase de mouvement ici, on se retrouve à la fin de sa... Phase de mouvement. Allez, fin de la phase de mouvement du cinquième et dernier tour pour Tildus. Je te laisse commenter ta, tes actions. Bon, l'idée, moi, c'est perdu, mais je vais quand même essayer d'aller gratter le plus de points possible pour limiter la défaite. Hein. Donc, je vais essayer de faire nettoyer le ciel et puis chasse au gros en allant euh, essayer de casser le dernier répulseur avec un PV en tirant avec tout ce que j'ai avec cet onager. Ouais. Euh, pour le plaisir, je vais tirer avec l'autre Oneger sur l'autre répulseur que j'arrive pas à voir depuis tout à l'heure, mais je l'aurai pas parce qu'il lui reste trop de PV. Ouais. Et je vais essayer de tuer un personnage. Donc je ouais. pense même avec le. le que même, Nager... même si tu tues lui, de toute façon, t'as aussi le fly, hein, le nettoyer le ciel. Est ce qu'il a, a le il k fly. En fait, hein. Ouais, Assa... assassinat ferait marquer fly sur, sur lui. Ouais, je... Voilà. Ok. okay. Là, bah, pas de phase de psy et euh, bah, début de la phase de tir. Donc bah, de toute façon, lui, je pense qu'il a qu'une seule. Non, 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 c'est lui qu'il faut tirer en premier. Lui, il aura là-bas et lui là. Ok. Donc on fait tirer lui en premier ouais. Ok. Donc lui va tirer sur le répulseur à marcher. Le monde veut savoir si t'arrives enfin à buter un répulseur. Bon, on y va. Lourd de 1. Ça passe, ça hein. touche, ça blesse à 5. C'est les 5 hein, qui pêchent depuis ah, le début. Hein. C'est cette putain de blessure à Tout 5. Tocanon, hein. attention. Donc là, euh, j'en ai Et les deux, deux qui, qui passent. passent. Ah, sur du 5, il y en a un. à- 1 1 de dégâts. Ok, ça y va 4. Ça y va 4. Oh, oh, je n'y aïe, 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 arriverai aïe, pas. Aïe, aïe, aïe. Donc, on y va pour les 5 euh, coups de, de lance-missile. Hop. Blaisse à 5. Encore une, une. PA-2, un dégât. PA-2, save à 5. Allez! Oh, oh, le, est un seul dégât? Un seul dégât. Est-ce que, est-ce que le, le, petit des sauvageons allez, va allez, sauver allez, Répulsor? un Répulsor de toute la partie. Oui! oui enfin, il est mort! Il est décédé! Il est réduit à 0 PV! Et, euh, ah non, je l'ai pas, non, je suis désolé. Pourquoi? s'il était à 2 PV, en fait. Oh! J'ai regagné un PV tout à l'heure sur la phase de psy avec lui. Le, le choc émotionnel je suis désolé il lui reste 2 pv et t'as plus de tir là <laughs> et oui là j'ai fait regagner un pv c'est vrai qu'on avait calculé qu'il avait 4 euh, il était à 4 sur le palier je, je suis désolé pour cette émotionnel émotionnelle pas de chance vraiment la chez bon on va tirer sur l'autre peut-être qu'avec un peu De plus de chance l'autre va mourir je n'y crois plus <laughs> je je le, oh, allez, le, le, le deuxième tir allez c'est non, parti non, non, non. Non, non. je vais assurer le volant ouais je pense, je pense effectivement c'est mieux donc je, je laisse tomber les répulsors, ils, euh, ils auront tanké toute la partie, hallucinant. Donc Lonegger sur... sur le, il reste combien de PV hein? Il reste 3 PV. Non je vais pas faire ça, d'abord on laisse Ok. De toute façon là il va mettre tout ce qui reste parce qu'il faut qu'il tue ce gars là. Donc on se retrouve euh, après la mort ou non du capitaine donc ça y est Kildus met son nettoyer le ciel et son assassinat euh, malheureusement de la partie il n'aura pas euh, pété un répulsor c'est malheureux mais c'est comme ça euh, néanmoins pour finir et clôturer son tour il va faire euh, euh, une charge avec son onagre ici pour euh, essayer de me ralentir pour éviter que lui ne puisse venir faire trop de dégâts sur euh, la fin de mon tour 5 Objectif récupère l'objectif 4 ouais. hein. et, et c'est su surtout cet objectif là aussi qui peut être problématique oui. mais euh, du coup il va charger c'est une charge à, euh, à c'est une charge à 7 je vais faire un métier de compte charge après sûr. on va les faire après on va déjà voir si ça réussit. Et eh ben ça fait pile 7. Et eh ben voilà, donc je vais faire mes tirs de contre et on se retrouve pour la phase de bagarre. Je ok, donc euh, chargé, j'ai réussi à lui enlever quand même 3 PV au tir de contre -charge. Donc il lui reste plus que 3. Et euh, il a tapé, il n'a rien fait. Donc son objectif hein, c'est clairement de me loquer. Mais on va surtout savoir si. Invictor fait le taf. Donc, je rappelle, hein, il, il a 4 attaques sur son profil. Il a plus 1 grâce au strat et il a plus 1 grâce à, grâce à la, au, parce que celui-ci, est content d'être un Space Marine. Donc, je vais bon, le toucher. Toi, je vais le toucher sur du 3+. Plus. Il y en a 4 qui passent. C'est de la force 14. Donc, je le blesse sur du, <laughs> sur du 2+. Plus. Ça c'est cassé. Euh, il y en a 2 qui passent. PA-1. Il faut que tu rates aucune à vue parce que c'est du D3 flat net. On sauvegardes 5. Et je les deux, ça est Ce qui explose. Et il explose, hein. ah, Ok, pour la forme, des trois wounds dans mon groin. Et je fais un... Je 6. Et je perds un PV sur mon... sur mon châssis. Par contre, je vais faire un petit mouvement de conso. Et voilà. Et après, on se retrouve. Donc, euh... bah, tu marques deux points de Maelstrom quand même. Euh, Nettoyer euh, euh, le ciel et ouais. assassinat. Ouais. Euh, ce qui sont tes deux derniers points de Maelstrom. Et euh, tu fais euh, une unité par contre, tu n'auras pas fait de capé de la partie puisque tu avais choisi les répulsors qui ne sont pas morts. Et donc, on se retrouve pour mon dernier tour qui va clôturer cette partie. Ok, tirage des objectifs du cinquième et dernier tour. C'est moi qui clôture la partie. Je tire sécurisé le 2. Je tire sécurisé le 6. Donc, le 6 est ici et le 2 est ici. Et ensuite, je tire euh, euh, le 15 qui est chez moi aussi et guerre psychologique. Alors, il faut savoir que pour le dernier tour, eh bien, euh, cet objectif-là, le 4 et le 2 ne valent plus rien. Euh, cet objectif-là et celui-ci valent 2 points. Et euh, l'objectif 6 et l'objectif 5 valent 3 points. Donc, euh, donc voilà, euh, vous voyez ma configuration au début de ma phase de move. On se retrouve à la fin. Ok, fin de ma phase de mouvement, donc j'ai euh, avancé, j'ai fait une advance ici pour aller capturer l'objectif 4, qui est intéressant et important à voir. Euh, lui n'a pas bougé et a regagné 3 points de vie, donc lui va envoyer tout là-dedans et féroce le buff pour qu'il ait une CT à 2+. Euh, lui a légèrement bougé pour pouvoir envoyer aussi euh, un coup de, de canon destructeur là-dedans. Et après, euh, ici, euh, ça a avancé pour sécher les Skitaris qui sont là. Euh, je commence ma phase de psy et je vais bien sûr passer le, je vais passer le plus 1 en, en hit sur euh, le châssis qui est là. Et ça passe. Et je vais passer le heal de PV sur lui pour essayer de le faire repasser à une... Ouais, ça passe. D3. 2. Euh, J'étais à 1. Je suis à 3. Donc je pourrais passer cette fois-ci sur le palier supplémentaire. Parce que du coup j'ai 3 PV. Et comme je suis Iron End, je suis considéré comme 6. Donc j'aurais euh, une CT à 4. Euh, voilà pour ma phase de psy. Et maintenant j'attaque ma phase de tir. Donc on va voir la manœuvre. Euh, je vais faire cracher toutes mes Gatling sur les skitares qui sont là. Donc en gros j'ai 12 et 6. J'ai 18 heures de Gatling qui touchent à 2 ⁇ et qui blessent à 3 ⁇ c'est parti, est-ce que cette Gatling va finir ses gaziers Ok, du coup notre ami qui est là, la Gatling a bien séché les 4 là, ce qui fait que je vais pouvoir prendre possession de cet objectif-ci. Euh, et ensuite, on va savoir si, euh, si je fais péter euh, l'Onegger, canon destructeur ici, ça fait quatre tirs. Et si la curée est totale hein euh, si, la cu si la curée est complète, non, il restera lui. Ah oui le, le petit Euh du coup je te touche à deux plus mais tu mets moins 1 parce ouais. que c'est Stiggy es... Stig. donc je te touche à 3 et je relance les as parce que oh là Ouh. Là, je... Et, et je relance les as parce que parce qu' ends oh, Euh sur du 3 plus ok euh, c'est bon euh, à sauvegarde à vue à 5 et eh ben c'est beau euh, après yes. euh, je vais finir les petits tirs qui restent et puis euh, et puis on va finir le tour on se retrouve à la fin de mon tour Ok, et eh ben fin de ma phase de tir. Euh, L'onagre a survécu et, euh, et donc bah il reste son onagre, son perso et puis ce petit gazier là qui est serein. Euh, néanmoins à la fin de mon tour, et eh ben je vais scorer euh, à la fin de mon tour, je vais scorer le 12, euh, je vais sécuriser le 6 et euh, je vais sécuriser le 15. Donc je vais mettre trois points de maelstrom supplémentaires. Euh, en plus de ça, eh ben, j'ai contrôle plus de piliers que lui puisque j'en contrôle deux et il en contrôle qu'un. donc je mets plus un et je fais plus d'unités que lui donc je mets plus deux aussi à la à l'éternale. Euh, et ensuite fin de partie, bah, il contrôle un objectif qui vaut deux points. Moi je contrôle celui qui vaut 4, euh, celui qui vaut 2 et celui qui vaut 4. Donc euh, voilà, je vous fais le décompte complet des points. On se retrouve à la fin de la partie. Ok, je commande donc la fin de partie. Alors, euh, en ce qui concerne le Maelstrom, sur cette partie, euh, Tildus aura mis 11 points et moi j'en aurais mis 18. Euh, J'ai réussi à reprendre la main à partir du milieu de game, à partir du tour 3. Euh, ensuite, en, en ce qui concerne l'Éternal, euh, bah, Tildus n'a mis que 2 points, euh, puisque puisqu'on s'est globalement bloqué toute la partie sur euh, le contrôle des piliers. Et là, bah, c'est pareil, j'arrive à reprendre la main sur la fin de partie, ce qui fait qu'il met 2 points et moi j'en mets 14 au, à l'Éternal. Uh, all kill point, il me prend malheureusement 0 répulsor et je lui prends 5 troupes, uh, donc je suis à plus 5 au kill point. Et après en objectif secondaire, bah, Tildus met un point puisqu'il a pris un premier sang, moi je mets 3 points puisque je prends le premier sang, le briseur avec lui et le seigneur en ayant tué Belisarius, uh, ce qui nous fait au final un total de 40 à 14 en faveur bah, des Iron Hands. Euh, partie, euh, partie super sympa, même si un petit peu à sens unique, j'ai trouvé en, en termes de jet de dés euh, manque de réussite de la part de Tildus, mais ça, ça pressait un jeu de dés. Hein, donc ça, on n'a pas la, on n'a pas la mise là-dessus. Euh, néanmoins, il y a pas mal de choses à dire sur le débrief de la partie. On se retrouve de suite euh, pour débriefer ça avec Tildus et moi-même. Allez, à de suite. Et bien, on se retrouve à la fin de ce rapport de bataille. Euh, donc, euh, grosse victoire de l'armée Iron Hands. Ouais, ouais, méritée, belle partie. Euh, j'ai fait ce que j'ai pu pour euh, essayer de défoncer la répulsion. J'ai pas réussi à en péter un seul. Alors je me suis acharné toute la partie dessus. Ah ça J'ai jamais vu des GSD de aussi ah, catastrophiques. Ça. Des GSD de, de sauvegarde assez ah, fabuleux. Ah, C'est pas faux. Dépité, mais c'était une super partie. Non, c'était une super partie. Euh, moi je t'avoue que quand je t'ai vu sortir ta liste... J'étais inquiet parce que euh, mmh. je trouvais que euh, il y avait du répondant. Là, la particularité de ce rapport de bataille, c'est qu'il a été joué sur une grosse table. Euh, vraiment, on est sur un mode de, avec un gros blocant central, des, des, des briseurs de ligne un peu partout, des briseurs. Ah, il faut savoir que avant le rapport de bataille, ben, toi, tu sais pas ce que je vais jouer, moi, je sais pas ce que tu vas jouer. Exactement. Donc, euh, surprise le, totale. voilà, le but c'est la surprise totale. Et, euh, et, donc, euh, et donc voilà. Euh, néanmoins, j'étais quand même assez effrayé euh, mmh. par ta liste. Pour revenir sur le déroulé de la partie, il euh, y a vraiment en fait euh, le moment où on passe le T3, je pense. Euh, c'est le, le moment terrible pour moi le ouais. T3 là, ouais. parce que je pensais pouvoir reprendre le contrôle de la partie. Euh, J'étais dans les bonnes positions pour pouvoir péter deux répulseurs facilement. Un qui reste à un PV, l'autre à deux PV. Je disais c'est pas possible. Au T4, je remets la sauce, repareil, il reste un PV, il reste deux PV, tu répares à chaque fois. T3, T4, calvaire pour moi. Ouais, 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 ah ouais, ça, ça a vraiment. Même on voit en point, hein, on se tient jusqu'au T3, ouais, et, là, et puis, après c'est la bascule. Et puis tu t'envoies. Ouais. J'arrive pas à faire les répulsors, ouais. tu, me tu me grattes au fur et à mesure. À la fin, il me reste pas grand chose, et puis tu contrôles la main. Tu me dévores tranquillement, sans sonic, après jusqu'à la fin. D'un point de vue scénario, euh, as fait euh, le choix de commencer, euh, parce, ouais, que, euh, parce que tu, on sentait que t'avais envie de péter du répulsor. Je voulais absolument euh, avoir le, au moins le terrain pour euh, enlever un répulsor. Parce que, mine de rien, il n'y a pas grand chose en face, hormis les trois impulsors. Je voulais ouais. au moins en envoyer, en, 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 en tuer un, quoi. Ouais. Et puis, j'ai été peut-être trop gourmand, parce que c'est un scénario qui méritait que je te laisse commencer. Ouais, clairement. C'est ouais. pour ça, vraiment, moi, que je n'ai pas repris l'init, parce que le scénario, ouais, fait, des, fait, ouais. le scénario des piliers à l'ETC, c'est peut-être un des seuls scénarios, enfin, c'est un des scénarios où il faut, dans la mesure du possible, pas commencé. Là, c'est vrai que ouais. euh, ce qui pouvait laisser mmh. prête à confusion, c'est le fait qu'on jouait de gunline, donc à se dire ah bah c'est le premier qui tire qui ouais, va gagner. Vrai. Sauf qu'en fait, avec la table et la configuration des déploiements, etc. Euh, moi, je me suis assez vite rendu compte qu'en fait, au tournoi, on allait se faire ouais, rien. Ouais. Et, euh, et justement, je t'ai posé un, un entre guillemets un appât J'ai vraiment mis mes, mes intercesseurs les dix premiers. Le fait que tu ne prêtes pas le choix de troupes comme slot pour les pour les kill points. Ouais. Euh, je pensais qu'ils seraient tout le temps cachés derrière à, à contrôler les objectifs et que ouais. surtout les, les répulseurs que il va falloir que je pète en fait. Et là j'ai tendu l'hameçon avec les intercesseurs ouais. et euh, t'es rentré dedans vraiment. Euh, et euh, bah pas tant, enfin si t'as pété 10 intercesseurs. Euh, mais derrière en fait ça me permet moi sur mon, tour, euh, sur mon tour 1 et mon tour 2 de tambouriner des trucs sans bouger, sans sortir de ma zone ouais, de calme. confort. Et euh, Après et... les, les dragons je voulais au moins qu'ils tuent l'équivalent de leur coup en point ouais. je pouvais faire que ça. Ouais. Parce que j'aurais pas caquer les répulsors, ça désengage, ça tire en état d'alerte sur 4+, j'allais pas caquer les répulsors, il y avait que les intercesseurs que je pouvais ouais. faire les dragons ou euh, Encaisser des tirs de loin, mais avec le, le, le tir moins deux, pas forcément tirer dessus. Ouais. Donc, euh, je me suis dit, c'est le seul moyen d'essayer d'engranger quelques points quoi, ah, ouais, et t'emmerder un tour pour que ma puisse avancer et se mettre en position. Ouais. Et d'ailleurs, si c'est pas sauté 3, j'étais en, hein. ouais, ouais, en position. J'étais parfait, hein, et puis, ouais. euh, ça n'a pas marché. Prise bon. de risque, qui n'a pas payé, des g d de, qui n'étaient pas très bon, mais ça arrive. Hein. Et puis, euh, non, tu as bien joué, tu as bien, bien, bien contrôlé le, la partie par la suite. Rien à dire. Pour moi en tout cas, c'est première prise en main euh, du codex Space Marine. J'ai choisi aussi volontairement le Iron Hands parce que moi c'est l'armée de cœur. Euh, J'ai joué en V7 à l'époque de la Death Star à moto Iron Hands, mm -hmm. que j'aimais beaucoup. C'est violent, c'est fort. Et, euh, et là pour le coup, le but était de prendre en main une armée facile à jouer parce que mm -hmm. clairement, euh, passer du Kuljane Sealer à cette armée-là, il euh, y a clairement un delta en termes de jeu. Euh, C'est-à-dire qu'à part se positionner un petit peu, gérer sa micro sur cadencement de, de tir. On est sur une armée qui nécessite pas spécialement de tricks ou de connaissances. Non, non. Euh, donc faut tambouriner, euh, bien se positionner Un bon sur l'objectif, ouais. euh, bon choix de cible, c'est ce que, moi, que as fait. Hein. Pour moi c'était pour moi cette partie-là, c'est beaucoup joué au déploiement, ouais. euh, la façon dont on allait euh, après euh, nous met, se mettre en en mouvement pour, euh, pour les prochains tours. Clairement, ce déploiement avec le Mechanicus, c'est celui que je déteste le plus. Ouais, hein. ouais. Ça m'oblige à me paquer alors que j'aime bien m'étaler un petit peu ouais, sur la carrément, table. Carrément. Et il y avait des bloquants partout, donc j'ai dû me positionner difficilement. Moi, pour moi, c'était euh, compliqué avec le déploiement. Ok. Bah, moi, j ai, j ai, en tout cas, j'ai bien kiffé cette partie. Merci ouais. beaucoup à toi d'être venu au Battle euh, Bunker. C'était un plaisir. Eh bah, bien, écoute, tu nous viens d'une association, Titus. Oui eh. Alors, on est une nouvelle association, donc la communauté des Orchidoclastes. On s'est créé donc cet été. On n'a pas encore de salle à titrer, mais on est en train de chercher. On a deux doigts d'en trouver une. Bref, si jamais vous voulez venir euh, bah, euh, jouer avec nous, on habite du côté de Rambouillet-les-Essards. On a à cheval sur les deux en ce moment. Ouais. On a une vingtaine de copains, donc euh, on vous attend pour geeker un Alors, peu tout. Où est-ce euh, est qu'on vous retrouve Si les gens veulent vous rejoindre. Si vous voulez nous chercher, donc euh, le club est euh, apparent sur T3. Ok. Et puis on est sur T3. Voilà. Okay. Et, et euh, on, a sur Facebook. Facebook. Ah, ah, on a une la page, page Facebook. Exactement. On a une page Facebook. Hein. Tu m'envoies le lien et on la met dans la description ah, ah, de la vidéo. Comme ça, on peut vous retrouver. Euh, si vous aussi, vous voulez venir jouer au Battle Bunker, euh, si vous voulez venir jouer euh, entre vous, ou si vous voulez venir jouer contre les armées de la chaîne, ça se passe euh, par mail sur commander.tv@gmail.com. Bien évidemment, comme d'habitude, vous pensez à mettre le pouce bleu des familles sous la vidéo. Lâchez le petit commentaire. Faites le petit partage qui va bien. Ça favorise énormément la chaîne. Vous nous suivez sur Facebook sur Instagram et vous nous retrouvez aussi sur Tipeee. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commander TV. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre.